avec la conscience et de la jugement. La cité des fous nous serait parfaite. On a oublié de regarder notre chef, toutes ses amis à la taille. Et ouais, avec notre postérieur de plume plantée dans les nuages, on n'a pas jeté un œil au chef. Personne n'est parfait. Ça n'existe pas quelque chose de parfait sans défaut. Et le défaut, c'est beau. Comme un coucou tout rouge dans les cheveux. C'est poétique, ça. J'ai de ces fulgurances poétiques parfois. Poésie is freedom! Il y a aussi de belles choses dans ma forêt, où se mélangent les arbustes, les mélèzes, les bouleaux. Tu as raison, elle est belle, ta forêt d'Elseneur. Tu vas repartir chez toi pour la remplir. Tu es bon, Thomas, avec un cœur pur et belle bien fait. Garde-nous en souvenir, nous serons toujours là. On va continuer à souffler des rêves dans le bleu de Bobby. La branche vient d'arriver pour le retour sur terre. Et la branche. Il est freedom, oui on sait. Bon retour. Thank you.
Merci beaucoup. Merci pour eux. Merci beaucoup. Ça fait du bien depuis si longtemps. Merci. Nous sommes fiers ce soir de vous avoir présenté le conte musical La Cité des Nonos et Quelconque. 40 musiciens du théâtre, de la vidéo, et 130 choristes pour vous ce soir. Dans le cadre de la 6e édition de l'île 3000 intitulée Utopia, qui a démarré avec une grande et belle parade au cœur de la ville de Lille samedi dernier. Près de 200 représentations de la Cité des Dodos ont eu lieu sur notre territoire. Des Hauts-de-France, nous sommes donc parfaitement et particulièrement fiers de faire partie de ce projet de grande ampleur. À cette occasion, nous tenions à remercier toute l'équipe de l'île 3000 pour leur aide à l'organisation de cet événement, ainsi que pour leur disponibilité. J'aimerais citer nos deux contacts privilégiés, Magali Avis et surtout Laura Bouclet, qui nous fait l'honneur d'être présente ce soir. Merci à elle. L'association Volcanique œuvre à l'expansion des rencontres chorales scolaires des Hauts-de-France. Pour son mécénat, les IAIPR d'éducation musicale et de chant choral, Madame Marie Gandin et Monsieur Laurent Raymond, pour leur précieux soutien et encouragement. Monsieur Maire et la municipalité de la ville de Watt, merci pour votre confiance, votre soutien logistique, technique et pour nous avoir permis d'utiliser cette belle salle Arlet ainsi que la salle Saint-Gilles. Merci beaucoup d'applaudir Monsieur le Maire Daniel Lescon ainsi que l'ensemble de la ville de Watt. Merci tout particulier à l'équipe de choc du service technique de la ville de Watt, Marc Dambrécourt, Joël Ducrot et à toute leur équipe. Je pense à Vincent, Benoît, Pascal, Thierry et Didier qui ont réussi l'exploit de transformer cette salle des sports en une véritable salle de spectacle. Ils ont installé les nouveaux tapis de sol, les 500 chaises, les plateaux Samia. Bref, depuis mercredi dernier, ils sont sur le pont et sont disponibles pour répondre à nos demandes, ce qui n'est pas une mince affaire. On peut les applaudir. Réveillons pour leur accueil et leur disponibilité. Merci à vous, chers parents d'élèves, qui acceptez de nous confier vos enfants pour d'ambitieux projets. Vous pouvez vous applaudir parce que certains parents n'ont pas accepté que leur enfant se produise sur scène ce soir. Donc, applaudissez-vous et merci. Les principaux, leurs adjoints des établissements, directrices d'école pour avoir cru en notre aventure et pour soutenir l'enseignement facultatif de chant choral dans nos établissements, soutenir nos actions et encore plus dans cette période sombre qui tente d'un point de vue sanitaire lentement à s'éclaircir. Un grand merci à vous tous. Ainsi, on peut l'applaudir s'il vous plaît, merci. Merci. Ainsi que l'équipe de direction du collège Prévert de Watt pour son soutien, son écoute, son aide toujours efficace et précieuse sur tous les plans, si bien financier, administratif que logistique. Pour réaliser des projets de cette ampleur, il faut de vrais capitaines, sinon le bateau tangue. Merci infiniment à notre principal adjoint, à la marche. Et leur dévouement. Un grand merci à Frédéric Aude, notre CPE, à Jean-Christophe Castelin, notre gestionnaire. On peut les applaudir. Notre gestionnaire,
cuistot et toute l'équipe des agents qui sont d'une gentillesse et d'une disponibilité sans faille. Un merci tout particulier à Soline pour son aide logistique encore ce soir, qui est très 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 précieuse. Merci à elle. Merci aux professeurs et assistants d'éducation qui, par leur présence ce soir, soutiennent les élèves et leurs collègues. Merci à vous d'être là. Je tiens à remercier aussi nos hôtesses d'accueil, mes collègues qui vous ont accueillis ce soir. Mesdames Laurence Fournier, présidente du FSE du collège, Marjorie Delaval et Maggie Gilbert. Merci à toutes les trois. Merci beaucoup. D'un spectacle, ils sont dans l'ombre, mais pourtant ils ont un rôle capital, ce sont nos techniciens. Un tonnerre d'applaudissements pour l'association Acte 3. Anaïs Lebras au son, Jordan Masson à la lumière, on peut les applaudir. Patrice et Thomas Morette pour le montage du pont également, ils nous ont donné un grand coup de main. Merci les petits loups. Un merci particulier à mon collègue et ami qui sait tout faire. Il est ingénieur du son, il est aussi professeur au lycée Ribaud de Saint-Omer, il est toujours là quand j'ai besoin de lui. C'est un homme d'exception et on a beaucoup de chance de l'avoir avec nous. Une ovation pour le magicien de la soirée, monsieur David Jadka. Il est temps de passer aux acteurs. Un énorme merci à nos amis musiciens qui ont pris de leur temps pour descendre le matériel dimanche matin, qui ont répété pendant plusieurs semaines et nous font l'honneur en plus de nous accompagner ce soir. Et ce fut un véritable plaisir, sous la direction de l'excellent Michel de Cuypert, directeur de l'école de musique de Watt. Mais également un travail minutieux de découpage,
de redécoupage, de cadrage, de recadrage et de recadrage des personnages afin de réaliser ces sublimes vidéos en théâtre d'ombre. Merci d'applaudir comme il se doit, Madame Mélinda Lenac. D'études du conte en classe avec les deux classes de 6e, elle les a fait répéter, elle les a enregistrées. Elle les a enregistrées, réenregistrées. C'est notre référente culture dans le rôle de la metteuse en scène de notre spectacle de la Cité des Doudous. Merci d'applaudir chaleureusement Madame Valérie Lebrun. J'aimerais présenter sa troupe qui va nous rejoindre, nos deux conteurs qui ont prêté leur voix et qui ont beaucoup travaillé, Mademoiselle Chanel Drieux et Monsieur Evan Lefebvre. Ils ont eu un travail de mémorisation impressionnant, merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour nos quatre actrices de Chic et Le Choc dans le rôle de Nous Squama, Mademoiselle Danès Maël.